Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle sortie de l'émission Tout autour. Aujourd'hui, on reçoit notre invité Inski Pierre-Louis, qui est spécialiste en droit international de l'environnement. On va parler d'activités orageuses aujourd'hui avec Inski Pierre-Louis. Alors, nous connaissons ces derniers temps, nous entendons un pile l'orage abondé, je n'en capable dire, et un pile la pluie. Et des coups de foudre qui ont la cause mon mourir. Jodia, nous allons regarder en long et en large. Qu'en est-il des activités orageuses? Bonjour Inski. Bonjour Sefada, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission tout autour de Radio Télé-Pacifique. C'est un plaisir pour nous là, Jodia, pour nous parler d'environnement toujours, d'activités orageuses, de pluie diluvienne. Jodia, nous allons faire rombler sous question. Hein. On va essayer de porter quelques conseils, quelques mesures de précaution, parler de mesures de précaution à la population haïtienne. Mm-hmm. Normalement, depuis longtemps de l'orage, c'est que gagne la pluie. Gagne la pluie en côté. Et en pile fois, qu'on gagne des confusions. Entre qui ça peut au monde dit? Vous parlez d'éclair, vous parlez de l'orage. Qui ça y est même au juste? Question l'orage, ça, qui ça y est? OK. Depuis nous parler d'activités orageuses, nous avons l'orage, bien sûr. Orage. Orage là qui s'accueille, c'est une perturbation atmosphérique qui est d'origine convective et qui est associée à un type de nuage en particulier que nous relais, qu'a dit scientifique que relais, cumulonimbus. Type de nuage là, ça que le causait, il causait des pluies diluviennes, ensuite des décharges électriques que nous relais la foudre. Mais pour nous qu'a différencier, question l'orage là, nous sommes capables de mettre dans trois catégories. Il y a des orages unis ou bien monocellulaires, il y a des orages multicellulaires et il y a des orages supra ou bien au carré supercellulaires. Orage multicellulaire là, c'est un orage au cas dit qui surgit et qui dissipe aussi dans le moment, bien sûr, que lui paraît là. Ce type d'orage, ça, bien sûr, que nous-mêmes nous souvent apparentés à la question éclair ou bien éclair. Donc, lui-même, lui porte une charge que nous relais énergie potentielle. Type d'orage que nous relais monocellulaire là, lui porte une énergie que nous relais énergie potentielle convective disponible qui compris entre 500 à 1000 joules. On a parlé de orage monocellulaire. Orage multicellulaire à lui-même, c'est un orage qui compris entre 1000 et 1500 joules kilogramme, qui lui-même toujours apparenté avec questions éclairs. Mais des fois, l'icône dangereux et néfaste. Orage qui a plus problème là, c'est orage que nous relais orage supercellulaire. Orage ça, c'est lui-même qui crée ça relais décharge électrique là. C'est lui-même qui crée ça relais foudre. Que nous connaissons ou non, et tonnerre, foudre, etc. C'est une question de foudre, ça, et nous connaissons qui fait mon mourir, mon arrivé calciné. Donc, l'arrivée dans la phase, ça, face avec foudre, là, qui attention yon moun doit prendre lui-même? Qui ça qu'a fait yon moun atteindre? On a parlé de décharge électrique. Normalement, décharge électrique, là, les gros bagages que provoquer. C'est souvent des arrêts cardiaques. Et si nous avons un espace côté que orage, on a parlé de orage supercellulaire là, il tombe directement sous lui, là, nous connaissons que c'est calcination directement. Ça, on doit connaître comme mesure de précaution, c'est que lorsque gagne des pluies diluviennes, des pluies, on a dit torrentielles, il suppose qu'on ait que le pas doit être dans un espace qui gagne pied-bois. Parce que l'espace, ça, il va attirer des charges électriques. Li doit connaître tout que le parité mais espace savane. J'allais dire la laine de l'espace savane. C'est espace qui est complètement dégarni, c'est espace qui est complètement large parce que espace ça autour, il a attiré ça nous relait orage ou bien ça nous relait orage et foudre là tout. Donc c'est des mesures que mon doit prendre dans le cadre ça. Et là n'a pas de pluie diluvienne tout. Grand pile monde qui pensait que yo à l'abri dans les hauteurs donc qui est complètement faux. C'est parce que dans les hauteurs que vous pensez que vous êtes à l'abri de inondation, de ça qui vient avec la pluie. D'ailleurs, nous avons eu un exemple récemment dans Tête d'eau, dans Pétionville. C'est que vous avez des mesures capables de dire
ni bon côté population, ni bon côté gouvernement. On a parlé de curage, même si ce n'est pas une pratique courante, mais bon côté gouvernement doit gagner curage des canaux et des sanorélés et bassins versants, canaux, égouts, doit gagner curage régulier de l'espace. Et puis, doit gagner politique d'aménagement, côté pour moun yo jete fatra, côté pour moun yo construit, parce que yon nan bagay que nous gagnons aujourd'hui, en raison de, nous avons parlé de espace moun yo, Thomasin, que moun yo a construit kounya la, de l'eau a vin pas karete, vin pas karete, vin pas et consommer, te a pas consommer de l'eau, ça veut dire que tout l'eau ça, réellement li descend, et le li descend, moun qui pense yo dans les hauteurs yo, yo souvent victime, et ça arrive à Pétionville récemment. Donc, c'est des initiatives. Bon, c'est peut-être que je peux comprendre, l'État peut comprendre, soit par manque de budget ou bien par manque de volonté, on ne sait pas, mais ça a supposé fait. Et puis, bon, côté population, l'important, lorsque gagnent plus torrentiel et plus diluvien de Sao, l'important pour lui mettre toute pièce qui est importante dans un espace ou bien dans une valise pour si on courir, pour le courir vite avec eux. Parce que nous connaissons que toute misère pour passer en Haïti, pour fond pièce, pour faire un certificat de bonne vie et mœurs, pour faire de l'autre document. Donc, il est important pour mettre toute pièce importante dans un espace ou dans une valise, pour qu'on connaisse soit courir ou qu'à courir avec bien vite. Et ensuite, il est important, là que il y a gros la pluie, pour les gens qui habitent bon ravine, pour les gens qui habitent bon espace la mer, pour les déplacer. Même si nous connaissons que bon problème d'abri provisoire et que nous pensons que la protection civile a va voyager sous ça parce que nous en pleine période de cyclone, donc l'important pour nous déplacer dans l'espace ça yo, espace qui est bon côté ravine, espace qui est bon côté et l'en mer, faut que déplacer. Et ensuite, l'important pour nous pas jeter fatra n'importe qui gens parce que c'est fatra ça yo qui a le boucher canaux versants yo, il est même provoqué ça nous relé inondation. Donc, tout ça, c'est important comme précaution pour mon lieu. Et c'est des travaux qui, pas même, bon, le fait que vous n'avez pas fait, librement, un pile d'investissement, mais travail ça, c'est des travaux qui sont capables de faire deux fois chaque 10 ans. Il a parlé de gros curage qui vous a fait, gros travail qui vous a fait, donc vous n'avez pas fait du tout. Donc, on imagine les années à passer, puis vous n'avez pas fait. Donc, ça prend le monde, il y a un gros investissement pour arriver à faire travail ça, que vous êtes capable de faire. Et bien avant Inski. En fait, il retourne sur la question pied-bois, parce que nous connaissons un peu le Timoun, nous connaissons et jouer dans la pluie, et puis nous capables de baigner dans la pluie. Donc, il faut que nous capables de faire attention avec pied-bois, par exemple, pour pas, à force que nous courir dans la rue, et puis si un bon pied-bois ou à l'abri, par exemple, pour pouvoir s'y camper en bas la pluie. C'est extrêmement dangereux. Exactement. Donc, pied-bois, il y a une importance, il y a un rôle, c'est vrai, mais là, il y a la pluie, là, nous tendons, et question de l'orage, et c'est un côté pour nous éviter nos capacités. Donc, Haïti, c'est un pays qui est très vulnérable face à la question de l'orage, pas vrai? Haïti est très vulnérable par rapport à la question, et quand on dit par rapport à phénomène météorologique extrême, parce que l'on a regardé de 1999 à 2022, là, on ne pas mettre la 2022, à 2020 exactement, nous prenons plus que 88 événements météorologiques extrêmes. Lundi, événements météorologiques extrêmes, on a parlé de ouragan. Et pendant la période ça, on est capable de parler de tropical, il y a beaucoup moins prévisible, c'est-à-dire pas qu'à prévoir et pour qu'on y a là. Et ensuite, ouragan est passé, je vous ai dit tout à l'heure, de catégorie 2 à catégorie 5, de catégorie 2 à catégorie 4, bien vite. Ça veut dire là, nous très vulnérables par rapport avec situation pour nous joindre l'orage, pour nous joindre la pluie. Et il y a un danger qui vient avec pied-bois, ce n'est pas seulement foudre là. C'est que fort, il m'a dit, vent fort, yo, capable de déraciner un pied-bois, qui est capable de poser un danger tout, pour le monde qui peut être dans l'espace là, qui peut être à fonctionner. Donc, tout ça est important pour nous connaître comment pour yo, qui comportement, qui meilleur comportement pour gagner, là que gagner de fortes pluies, pour nous connaître, pour ne pas aller à côté qui gagne pied-bois, pour nous mettre à l'abri.
Et par rapport avec l'utilisation d'appareils électroniques, radio, télévision, téléphone, même miroir, wow, on dit qu'il représentait un danger. Les gagnants, gros la pluie, et si nous arrivons à faire face avec la dernière catégorie d'orage, qui c'est l'orage. Super ou bien supracellulaire là. Supracellulaire là. Donc là, nous avons un cas côté des portes en vitre. Et fenêtres, miroirs, et puis en même temps, téléphone dans mes roues, à utiliser, radio bon côté, ordinateur en face ou. Automatiquement, vous commencez à tendre et vous commencez à voir éclair, vous commencez à sentir une série de bagages. Qui disposition ou même pour prendre pour nous capables d'éviter une série de bagages? Je ne t'ai pas parlé tout à l'heure de orage et super cellulaire, yo, qui ont même provoqué ça, nous, la foudre là. L'important, parce que nous avons parlé de décharge électrique, qui lui-même, il vient parler de décharge électrique, c'est la foudre. Nous connaissons que tout élément qui produit électricité est capable d'attirer l'électricité. Ou bien tout élément qui produit des ondes radioactives est capable de râler l'électricité. Donc c'est peut-être ça que je souvent dis, pour nous éviter de parler de téléphone, pour nous éviter de lui mettre télévision, pour nous éviter de quitter la radio et à fonctionner. Même miroir là, tout peut-être c'est effet d'optique là, reflet là, que en pile fois, je souvent dit pour pas quitter miroir là. Mais miroir là pas gagné un grand rapport réellement avec phénomène là. C'est plutôt un mythe, mais même si ça, il est toujours important. Et quand mon qui maman me demande faire mon gros drap pour voyer sur miroir là, bien sûr, parce que là tout. Oui, parce que tout part en compte ça, parce que reflet à tout, les qu'on a danger tout pour yeux, les qu'on a danger tout pour eux-mêmes. Donc, c'est surtout le reflet et éclair là, dans le miroir là, qui a un danger pour yeux, pour eux-mêmes, dans l'espace que tu as. Donc, c'est peut-être ça, en pile fois, que le miroir là est conseillé pour couvrir, pour faire ça. Et qu'en est-il du bruit? Est-ce que bruyant, par exemple, par contre, cause un dégât? Parce que je me fais expérience, je me un bruit une fois. Pendant le temps des bruyants, et puis, distance dans le temps des bruyants, je gonfle ton fenêtre qui est en. Et comme si je me sentais côté de la secoué. Et puis, rapidement, je gagne et deux vitres qui tombaient, qui crasaient. Okay. Donc, qui ça à la cause? Le, par exemple, après ton là, donc, petit bruit que les dégagés, qui sont capables de faire. Une chose que nous devons connaître, c'est que y a différentes formes de pollution. Donc, il y a la pollution atmosphérique, la pollution de l'air, la pollution également et d'ordre tellurique, que nous avons les pollution surtout et terrestre, tellurique. Nous avons la pollution sonore également. La pollution sonore, là, quand pile fois, nous ne comprenons pas ça, il y a de grands impacts sous vie nous ou bien sous santé nous. Bruyant qui a causé des maladies cardiovasculaires. En pour exemple, virer tout n'est pas des balles qui a causé ou un problème ou une maladie cardiovasculaire. C'est de même que l'orage là, il a causé une situation de stress, de traumatisme, de panique à chaos, et puis il a un problème cardiovasculaire. Donc, bruit à tout, il a un effet sur tout parce que pas oublier que l'orage là fait, espace qui compris, comme c'est l'espace, la superficie côté du couvrir, on senti une sorte de vomissement. Et dans l'espace ça, donc quand même, vous sentez qu'on n'est pas en sécurité. Normalement, ça crée une situation de stress qui lui-même agit non seulement sur la santé physique, mais sur la santé mentale. Bon. A toujours la pluie, a toujours l'orage. Dernière question. Qui genre nous-mêmes nous devons comporter nous face à cette situation ça, yo? Parce que nous ne pouvons pas camper la pluie. Hein? Au contraire, nous devons faire normal si nous arrivons à faire ça. L'orage, là, c'est vrai, il y a un pile problème. Donc, les gens qui ont mouru, c'est vrai. Les gens qui ont un problème cardiaque, ce n'est vraiment pas bon pour eux. Mais qui gens pour nous comporter nous, face à ça? Aujourd'hui, on a parlé de gestion, aspect gestion risque avec des as, ou bien de culture également, de compréhension. On a parlé de compréhension, phénomène et naturel. Ça. Donc, qui, sans danger, leur prend précaution nécessaire. Qui sans danger, j'aime dire, leur prend précaution nécessaire. Jacques Nsot dit dans le ya, une chose qui est importante, a toujours gagné l'orage, a toujours gagné la pluie. Et d'ailleurs, pluviométrie nous, et en Haïti, y compris entre
1600 à 1700 mm comme moyenne par an. Donc, nous bénéficions de pluviométrie assez large. Mais, toutefois, on a parlé de ces domaines qui bénéficient de pluviométrie qui plus large que nous-mêmes de tout, qui lui-même est de l'orage, qui lui-même est le phénomène ça. Mais, il n'y a pas de réponse qu'on ait, c'est que je dis, il est important pour la population haïtienne qu'on ait que lorsque gagne l'orage, lorsque gagne pluie torrentielle ça, il est important pour nous éviter de parler en téléphone. Il est important pour nous éviter de quitter l'appareil électronique lui-même. Ça, c'est vraiment important. Qui est difficile pour nous faire, pour nous avoir besoin de détacher le téléphone, par exemple. Bon, il est important pour nous déposer le téléphone non, depuis notre délourage. Ça, c'est clair, et son message que m'a lancé à la population haïtienne, non? Parce que dernièrement, nous avons eu des gens qui périssent ou bien qui mourent à cause de l'orage dans la zone Léogane, dans la zone Jacmel. Il est important pour nous déposer l'appareil électronique parce que nous avons eu c'est notre téléphone qui a parlé et sous galerie la carrière. Donc, dans ce sens, Stéphada, déposer le téléphone dans son nécessité. Faire mes télévisions sans nécessité. Faire mes radios sans nécessité. Et même pour les yeux, pour ça, ça a causé pour sous yeux, couvrir mes yeux là, tout des fois, sans nécessité, si l'orage, je suis capable de dire, si l'activité orageuse est répétitive. Donc, il est important pour vous et même couvrir les yeux. Donc, en quelque sorte, il est important pour nous prendre des mesures pour ça. Et même pour question pluie diluvienne, donc, une bagaille que nous avons des populations, c'est gérer des déchets. C'est une cause principale de inondation. Parce que l'air que nous jetons des déchets, n'importe qui, gens, les gens ont dit qu'ils jetaient des déchets pour nous en bas. Mais pas penser que c'est un monde qui est pire qui a jeté des déchets à tout, pour lui-même en bas à tout. Donc, ça vient causer, ça nous relève l'inondation. Hein, parce que canaux, égouts, bassins versants viennent boucher. Donc, ça vient faire que l'eau va écouter pour circuler. Donc, l'eau est passée, est botée, tout ça joue. Donc, il est important pour nous gérer les déchets, qui c'est une mesure, capable de dire, une mesure de précaution que la population haïtienne est capable. C'est un plaisir pour nous de recevoir dans l'émission Tout autour, Rinsky Pierre-Louis. C'est un plaisir, et c'est Fada pour m'être intervenu dans l'émission Tout autour aujourd'hui. Hein, et je pense que par rapport au Conseil SAO, la population haïtienne est beaucoup plus diligente pour faire face à la question de catastrophe SAO, pour faire face à la pluie orageuse. Pour faire face à une série de l'autre phénomène encore. Merci pour l'invitation, Stéphane. Voilà, c'était Inski et Pierre-Louis, qui est spécialiste en droit international de l'environnement, qui t'a parlé avec nous aujourd'hui, hein, par rapport avec la pluie et qui a tombé, et l'orage, qui gens nous-mêmes pour nous arriver, comportez-nous. À chaque fois, avant l'émission finie, ma partage que m'a fait avec nous, eh bien, les oiseaux qui volaient plus haut dans le monde-là, c'est le vautour de Rupel. Et il bat un record de 11 300 mètres. Il est arrivé détruit moteur d'un avion en Afrique de l'Ouest et pendant collision. Donc, je prends plaisir pour me partager une petite information, une petite découverte. Et bien, à chaque fois que l'émission tout autour, lui-même, l'Ipral finit. C'était un plaisir et pour me déporter pour vous. Nouvelle sortie d'émission tout autour, ça. Et on a placé rendez-vous une autre fois, puis une plus belle sortie. Émission tout autour.